Seigneur, tu nous as donné deux oreilles, Seigneur, pour écouter. Deux oreilles pour écouter. Et dans ta présence, Seigneur, tu veux, Père, que nous gardions le silence et t'écouter. Afin, ô Dieu, que nous prenions conscience de cet appel que tu nous fais, de notre engagement, Seigneur, d'être enrôlé dans ton armée, afin qu'à travers nos vies, ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Afin, ô Dieu, en vérité, ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté dans le pays, dans notre quartier. Et pour cela, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, d'observer la fourmi qui amasse pendant l'été, afin que lorsque l'hiver va venir, il sera déjà prêt. C'est pour cela ce matin. Papa Dodo, tu nous appelles à préparer pendant l'été. Parce que le jour d'hiver dans notre vie, si nous ne sommes pas prêts, il sera trop tard. Il sera trop tard à ce moment-là. Alors, Papa, éveille notre conscience. Éveille notre conscience et que dans ta présence, nous puissions ne pas presser à parler, mais à écouter. Ne pas presser à ouvrir notre bouche, mais à écouter ce que l'Esprit dit ce matin. Alors, Papa, nous nous inclinons sous ta seigneurie totale, afin que, Père, tu puisses avoir toute la place. Et que, Papa, rien ne puisse venir troubler ce moment, afin que nos oreilles soient à l'écoute de ce que tu dis ce matin. Tu as donné une sainte convocation à tes guerriers et guerrières, afin, ô Dieu, qu'ils soient encouragés, fortifiés, Seigneur, et persévérés jusqu'au bout. Ce matin, nous te disons oui et amen. Que ton nom à toi seul soit béni, glorifié, exalté ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, Dieu a donné une sainte convocation à ses soldats, afin qu'à travers vos soldats qui est ici ce matin, ne vous étonnez pas si vous passez des moments difficiles. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous voulons voir sa gloire. Nous avons mis ce chant en lequel il disait que brille sur nous. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Mais pour que cela arrive, écoutez bien. Pour que cela puisse arriver, il y a une coupe que nous devons boire.
Et il y a toujours ces deux coupes-là, inséparables. La coupe de souffrance et la coupe de joie. Vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, ne croyez pas que cela va se faire magiquement. Sinon, ou que Simon le magicien, qui va épater les gens, ça va amener pour côté. Mais ceux et celles qui se sont engagés avec le Seigneur, de cœur sincère, en vérité, et qui reconnaît lorsque le Seigneur nous appelle à revenir à lui, par amour. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, observe la fourmi paresseuse. En été, il amasse. Parce que en hiver, il est trop tard pour ramasser, ok, moi. Et c'est pourquoi, pendant qu'il est, nous sommes en été, l'été de notre vie, parce que tôt ou tard, qu'est nul l'hiver. Pas ni choix. C'est pas en option. Et c'est pourquoi, en amont, il nous dit, en été, préparez-vous. Parce que lorsque l'hiver va venir, il est trop tard. Ce n'est pas le moment où vous avez préparé en hiver. Ou que vous avez fait. Et à part faute à bon Dieu. Ce n'est pas sa faute. Parce que il sonne toujours la trompette. Mais dans sa présence, nous presser parler, mais ne pas presser écouter. C'est pourquoi il dit, lorsque nous venons dans sa présence, écoutez. Notre bouche peut dire beaucoup de choses. Mais le cœur est petit. Passez-nous grand, grand, grand. Avec un cœur petit. Et c'est pourquoi en amont, Dieu a parlé de circoncision de cœur. Et ce n'est pas un homme qui a fait, c'est l'Éternel qui a fait. Afin que, parce que Dieu parle à notre cœur, c'est au cœur que Dieu parle. Et quand Dieu parle au cœur, vous savez bien c'est ça. Parce que lorsque nous souffrons injustement, est-ce que nous voulons la gloire de Dieu? Répondez-moi. Allez pour nous répondre, nous pas répondre. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas magique. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Si vous souffrez injustement, comment on va voir, comment tu vas reconnaître toi-même la gloire de Dieu sur ta vie? Pas comme Simon le magicien. Parce que lorsque tu souffres injustement, c'est la couronne de gloire qui est sous ta tête. Et lorsque les choses ne vont pas, nous qui plairons, nous qui écoutons, nous qui envie de jeter couronne là, nous qui disons nous vépaille. Et pourtant, nous voulons voir sa gloire.
Et pourtant, nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir élevé dans le pays. Mais est-ce qu'elle nous paraît? Est-ce qu'elle nous paraît ou est-ce que nous laissons le Seigneur nous préparer et dire oui? Et le plus souvent, Jean l'Éternel qui a fait, à part comme ça que vous êtes attendu qu'il ait fait. Parce que, on peut comprendre, l'appel la ville en l'air. Que commencer, alléluia, malade qui est guéri. On qui voit la gloire de Dieu. Là, c'est Simon le magicien. Là, c'est Simon le magicien. Mais l'Éternel ne nous a pas appelés à être Simon le magicien. Et c'est pour cela que le Tout-Puissant, et nous avons chanté, soit le centre, véritablement, fait vraiment centre en nous à un moment-là. Ça. Si vous pas préparé à l'avance, à pas un moment de difficulté là, il est sans où. Si pas le centre maintenant, pendant l'été, si pendant l'été il passe sans où, pas penser que c'est pendant l'hiver qu'il est sans où. Jamais, ce sera maudit Dieu meu. Si pendant l'été, il passe sans où. Ou qu'on fait des affaires ou pas préparé, pensons-nous que pendant l'hiver, sera nos 60, nous qu'on foué des yeux, mais nous en yeux, nous qu'on couillonne nous-mêmes. Nous qu'on couillonne nous-mêmes, nous pas couillonne l'Éternel, nous pas couillonne le diable. Parce que nous péquer après le diable là a fait macaque. On va pas l'apprendre ça. Et c'est pour cela, en amont, il veut que nous puissions amasser. Et tous serviteurs et servantes du Seigneur, moi j'ai lu dans la Bible, nous voyons gloire manifestée, il y a eu la coupe de souffrance avant ça. Et parfois, nous pas voulu ni ça, ni. Mais nous ne faisons pas passer là où nous avons passé. Et dans notre élan, nous avons dit nous voulons, je veux ça, je veux ça. Mon père, on est qui prie là derrière à payer. Afin que vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, pour ne pas nous venir avant en illusion en tête en nous, ça sauter. Un soldat, il ne se. S'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Afin que quand la difficulté arrive, est-ce que nous pouvons continuer à bénir le nom du Seigneur? Les tout bité calé, béni soit l'Éternel. Mais les pas calé, est-ce que ça peut continuer? Parce que le Seigneur a testé. Il savait avec bouche en nous, nous peut dire en l'obité. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas là? Élie Jésus, nous peut séduire avec bouche en nous. C'est qu'est en nous. Et vous savez, il veut nous amener là. Afin qu'à ce moment-là, ton oui soit oui. Au début, oui ou pas oui. Ceux qui comprennent oui ou oui. On a tellement petit qu'on ne peut pas parler en l'eau.
ou savez tout ça qu'on te dit et boucha ou bon Dieu que tu ne comptes de ça. Là nous qu'a parlé une de nous pas tu ne comptes des paroles en nous mais Dieu qu'a tu ne comptes de cela. Mais au fur et à mesure il veut prendre conscience de ça vous-même sa bouche a qu'a dit il veut qu'elle prenne conscience de ça. Parce que bouche en nous qu'a parlé plus vite qui qu'elle à nous. Et c'est pourquoi il veut parler d'abord à notre cœur. Afin que ce qui a sorti en bouche en nous maintenant vienne de l'abondance du cœur. Et oui, ok, oui. En oui, ciser et calculer, parce que tu vas calculer la dépense. Et quand tu ciser et calculer la dépense là. C'est pas boum, boum, boum. Oui, Seigneur, je fais. Oui, Seigneur, oui, me voici. À pouvoir avoir poumon. Personne. Personne. Il va arriver des moments avant de dire le Seigneur, oui, tu vas prendre du temps. Il va avoir le temps pour répondre. Parce qu'il savait à travers pour que la Guadeloupe puisse voir la gloire de Dieu. Fait vraiment oubre coupe de souffrance là. Afin que bénédiction là coule. Mais coule. Et c'est pourquoi il t'appelle pour nous briser. Fais-nous mort. Parce que si nous ne mourons pas dans la communion de sa mort, on ne peut pas participer à la communion dans sa résurrection. Jamais. Communion dans sa résurrection. Communion dans sa mort pour communier dans sa résurrection. Nous pouvons sauter escalier. Sinon, Simon le magicien. Sinon, Simon le magicien. Et c'est pourquoi en 1 Colossiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Colossiens. Qu'est-ce qu'il dit? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens. Savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul, on ne peut pas imaginer quelle souffrance qui était derrière ça. On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer cela. Nous voyons, nous avons des révélations aujourd'hui. Tous ces hommes dans lesquels Dieu glorifié nous aille. Mais il y a en souffrance, pas pour faire paix, je parle aux guerriers.
Moun ki pa ni a rien à faire vie, c'est pour yon ka parler. Moun ki pa pèt pè vie a yo. Moun ki pa pèt yo critique yo et yo méprise yo et yo abandonne yo. C'est ça. Et cette souffrance là a permis qu'il y ait des révélations. Qui aujourd'hui nous lisons cela comme ça, nous prenons sur la légère, mais on passe avec qui souffrance qui derrière ça. Alors toi qui souffres à cause du nom du Seigneur, la couronne de gloire est sur ta tête. La couronne de gloire est sur ta tête. Mais si tu veux chercher l'approbation de ce monde, abeyoke ameo. Parce qu'il aime sa taille. Ou j'avais un monde pas aimé sa qui pas taille. Mais si ou pas taille, il sorti hors d'eux. L'église c'est hors d'eux. Donc il ne peut pas aimer. Alors pas étonné que il a méprisé, il a critiqué, il a abandonné. La couronne de gloire est sous ta tête. La couronne de gloire est sur ta tête. Mais c'est la couronne de la gloire dans la tête où il est. A pas le mot grand béo. A pas le d'accord et vert. C'est parce que tu vas faire la différence. Et on saura dans les difficultés qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. Ça, il peut tester. Beaucoup, nous pouvons dire, oui, Seigneur, je fais, mais c'est ça. Bon, ça va pas impressionner mon Dieu. Ça n'impressionne nullement le Seigneur. Ça va impressionner un homme, quelqu'un, pas le Seigneur. Aucunement, cela va impressionner le Seigneur. Aucunement. Aucunement, guerrier et guerrière du Seigneur, aucunement. Parce que ta force sera dans la joie du Seigneur, pas dans la joie de ce monde. Pendant le monde va se réjouir, le peuple du Seigneur a dans le combat, a dans la souffrance, a dans le gémissement. Mais le jour viendra. Le jour viendra. Où la tentation va s'abattre sur ce monde-là. Mais il va te garder. Pourquoi? Parce que tu n'as pas renié mon nom. Tu as été fidèle. Tu n'as pas renié mon nom. Je te garderai. Apocalypse. Je te garderai de la tentation qui va s'abattre. Alors allez. Fais affaire. Écoutez. Fais affaire. Et pas prêter attention au conseil de Dieu. Ne prête pas attention. Coule. Coulez. Coulez. Fais playboy. Coulez. Allez. Mais le Seigneur a toujours le dernier mot. Il n'y a pas de là. Poum. Là, ok, invoquer nous, ok, crier, il est tout là, me voici. Il est abandonné, il est tout, me voici. Ok, rêve, il est tout, me voici. Il peut faire des reproches. Il est tout, ou quoi rêve, il est tout, héritage à là. Puis bon, d'autres vêtements. Puis mettant d'autres robes en l'air. Daniel.
pour moi. Daniel 2, 46-48. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as découvert ce secret. » Amen. Mais nous voyons ça là en amont, avant. Mais nous ne savons pas qu'il passait avant. Et dès là, nous voulons la fin là. Mais nous ne faisons pas parcours là. C'est comme si nous prenons, nous sautons, parce que nous sommes dans le boulot. Et nous disons Alléluia. Non, ce n'est pas ça. Pour que Wala dit ça, faites ni habiter passé avant. Faites ni habiter passé avant. Nous voulons voir la Guadeloupe, la gloire de Dieu passer. Ah ben, vous savez, ni débiter qu'il passe en vie, ou vous m'avez demandé, mais Seigneur, est-ce qu'il est là? Mais il l'a vraiment. Parce que comment le nom du Seigneur qui est élevé, qui est glorifié, si pas ni crise? Et nous voulons éviter crise. Si pas ni crise, comment le nom du Seigneur qui est glorifié, c'est que en bouche. Ça pas ni pompoi. Et que pèse, que tu vois léger. Compté et léger. Mais en amont, regarde bien ce qu'il dit. Votre Dieu, fais-nous arriver, est-ce qu'il dit, mon Dieu, à moi, à vous tout seul. Mon Dieu! Et puis il dit aussi pour vous, mon Dieu, unique. Et cela va être testé. Il va tester les choses qu'il a élevées, bouleversement qu'il a fait, crise qu'il a fait. Parce que, à un certain moment, tu as dit dans ta prière, Seigneur, je veux te servir dans ta gloire. Mon pâté qui a tête à haute dans notre gloire. Mon pâté qui a atteint vous, c'est ce qu'on s'est passé. Mais comme j'ai dit ça, l'Éternel, il prend au mot, il peut mener au là, pas plairé. Bon Dieu grand. Et c'est à travers de ce moment-là, tu vas connaître qui est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il te dit que si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, c'est une question d'intimité, vous tous seuls avec le Seigneur. Madame n'est pas là. Marie n'est pas là. Parce que, au moment de la crise, ta joie ne va pas dépendre de la situation extérieure, mais de ton papa chéri, ta mère. Et tu vas bénir Dieu. Amen. Tu vas élever le nom du Seigneur. Et là, tu auras la joie parfaite. Pas la joie que le monde donne, mais tu as une joie parfaite qui n'a pas qu'à dépendre des temps et des circonstances. Quelle que soit la situation dans ta vie, tu seras joyeux. Et c'est pourquoi ces disciples, ils ont dit, ils ont pensé, c'est ça. Voyez Pierre, là, ils ont fouetté. Non, mais imaginez, à l'époque, fouetté.
en coup de frette, yo sorti des rois tout joyeux d'être trouvé digne d'être flagellé pour le nom de Dieu. Aujourd'hui, si ça fait, après une montre qui sort ça, on dit qu'il est arrivé, nous allons régler qu'on t'a nous dans ça même. Parce qu'ils avaient une relation telle avec le Seigneur. Ça, ce n'était pas yo encore. Aujourd'hui, on parle beaucoup de déclarations, amour passionnel, aïe pas là. Et au moment maintenant, l'hiver fini, on va trouver tout seul. De toute façon, à Gethsemane, c'est tout seul ou kayé. Ou pas kayé moun. À certains moments, madame, Maria, qu'est-ce que vous allez tout seul? Il faut prendre voilà ça. Et c'est angoisse. Parce que tu sais, tu es conscient de ce qui va arriver. Parce que dans ta communion avec le Seigneur, il te parle, il te dit. Il t'apprend la souffrance qu'il y a derrière. Afin que oui, à oui. En oui, bien oui. En oui, cisé. Là, on dit doubout, oui. Mais on peut ciser. On peut mettre une main aussi tête, on va réfléchir. Tu calcules la dépense. Et pas forcément. Est-ce que tu veux ça? Voilà ce que j'avais prévu pour toi. Voilà ça que j'avais prévu pour toi. Est-ce que toi, tu le veux? Tu veux voir ma gloire? Tu veux voir ma gloire? Est-ce que tu es prêt à supporter cela? Est-ce que nous sommes prêts à cela? À ce moment-là, on va vous montrer comment faire marcher, il y a une après l'autre. En partant de ça, c'était ça. Non, comment était Simon le magicien? Jésus n'a pas formé les Simon le magicien. Ils ne font pas les Simon de magicien ou Simone les magiciennes. Non. Les Simon et les Simon de magiciennes, faisons vrai yo. Faisons qu'elle les fait yo pour yon content. Mais ce que Dieu prépare, il n'y a ni rien à faire avec l'élévation de ce monde. En rien. Seule préoccupation, c'est Jésus, sa gloire. Peu importe le prix à payer. Peu importe les abandons. Peu importe les critiques. Peu importe cela. Mais Daniel, on l'a vu à la fin, regardons en amont, ça est passé. Daniel 1, Daniel 2. Je vais aller vite, vous allez lire l'histoire chez vous. En amont, ce qui s'est passé. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils virent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous te donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'inondices. Et c'est là où on engagera avec le Seigneur
dialogue a déclaré en termes de en pièce. Et quand il y a des cas qui inventent, est-ce que là, c'était Alléluia, Amen, Jésus, tu es grand, Alléluia. Quand on fait après, ça c'est après. Ça c'est après. Dieu a dit maintenant après et après. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi les dons et des présents. Et qu'est-ce que Dieu lui-même nous dit à ses serviteurs? À celui qui persévérera, je ferai de lui un pilier dans ma maison. Vous allez lire Apocalypse 2, vous allez le lire à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, pour faire du combat. Vous avez un monde qui a vaincu ce combat? Ouvrez ça. S'il te dit à celui qui vaincra, c'est que en amont, il y a un combat. Comment tu vas vaincre ou pas faire rien? Un peu croiser les mains, un peu croiser les bras, et la pauvreté te surprend comme un homme en armes. Il dit là, c'est où? S'il y a vainqueur, il y a combat. Vaillant guerrier, guerrière, s'il y a vainqueur, il y a combat. Alors, Jésus, à ce moment-là, comme nous l'avons chanté, sera ta source, ta lumière, ta force pour traverser. Ça, c'est pas toi qui, sous pani ou coulé. Si pas 100 ans en été, à pas en hiver, au moment où tu es raide, quelqu'un. C'est pour cela en amont, il veut que nous puissions être prêts. Préparés. Préparer à ça. Et c'est l'amour du Seigneur qui veut ça. Il veut que nous puissions mettre un caractère de Christ, les pensées de Christ, afin d'agir comme Christ. Mais en amont, tel que tu viens, fais briser pour que la gloire ne vienne pas à toi. Pourquoi? Pour pas en Simon le magicien ou en Simone la magicienne. Parce que vous voulez dire quoi là? Que vous dire, ouais, il n'y a pas vraiment là. Non, pas rien. Et là, on va tout petit. Tu es tout petit face au peuple du Seigneur. Parce que tu sais que le peuple du Seigneur n'est pas ton peuple. C'est le peuple du Seigneur et il t'a appelé à prendre soin et donner. Et c'est là une souffrance. Parce que tu veux tout caractère. Déjà, même avec Simon, même si on est 3, 4, il y a différents. Alors, à force, il y a dans l'église. Alors, si vous n'êtes pas préparé à ça, ou pas gars pour peut-être à mon alors. Si vous n'êtes pas brisé, ou pas gars venir boucher dans la maison du Seigneur, hacha ou amen, ou pas tailler viande. Pourquoi tailler bien? Il faut patienter. Il faut attendre. Et là, on ne peut pas comprendre vous. Parce que on ne peut pas ici pression à peuple, mais sous pression du Saint-Esprit. Et le plus souvent, on ne peut pas oublier. Mais vous savez, en communion, ça l'Éternel dit. Et les plus souvent, l'Éternel a dit, on est contraire à ça, on a voulu entendre. Parce que mon a aimé Bayo, ça, il a dit ça. Bon, bah, mon a. Ouais. Faut pas, on a ça, on a aimé, pour on a aimé. Mais l'Éternel va pas mettre ça, on a aimé. Autrement, on a appelé la radio, ça moins il vous dit. Et c'est là où moi c'est paix. Et c'est là. C'est pourquoi en amont il veut te préparer. Il veut te préparer. Il veut te préparer à ça. Et le plus souvent, nous quand on entend gloire à mon Dieu, c'est conseil qu'il fait. Et là, bouleversement, changement, on dit oui. Mais tu as vu une pire mauvaise. Avec ça.
Dieu t'a préparé. Fais préparer. Puis établi. Si tu préparais, comment les hommes qui ont établi pour tuer les gens, à part l'Éternel. À part l'Éternel. C'est pas l'Éternel. Parce qu'il veut que tu sois conscient, consciente de ce qui t'attend. Parce que si tu dis ça au début, au bataille. C'est pourquoi, parfois, il disait aux disciples, il y a des choses que je dois vous dire, mais on peut précipiter à aller, en cas d'attendre. Et au fur et à mesure, tu vas prendre de l'assurance avec le Seigneur. Tu vas grandir avec le Seigneur. Ta foi va développer. Amen. Foi ou que développer. Ou que commencer, à découvrir vous-même, en quoi pas en yé, ou faible. Tu sais comment tu peux amener là, ou que comprendre au supérieur au sort. Ou que commencer à prendre la parole. Oh là 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 là. En religieux, pas un habitant qui est plus dangereux que ça. Et que dit celui qui se croit sage, proverbe qu'a dit, on y a espéré plus Adam en insensé que celui qui se croit sage. On y a espéré plus qu'il y a insensé à celui qui se croit sage. Tu deviens petit. Tu vois comme une faiblesse. Et c'est là qu'on comprend, qu'on réalise effectivement, papa, sans toi, je ne peux rien faire. Sans vous, on ne peut pas en rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce que j'étais? Verset 2, verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous le donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, menace, si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Pas ni pour mon aller la terre, mais ni mon ciel là. Et dit, il dit quoi? Oh, si jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Et c'est pourquoi nous, quand vivons dans les derniers temps, nous avons fait une pire de pire. Donc, il faut préparer à la hauteur des règles là. Et c'est pourquoi que l'église des derniers temps sera plus glorieuse que l'église d'avant. Tu as une difficulté, mais ni plus encore. Donc il y a une plus une préparation. Ne comprenez pas ça qui va être bible comme ça. Plus glorieuse. Mais derrière ce plus glorieuse, il y a une coupe. Il y a la coupe de souffrance. Tu ne peux pas échapper à ça. Il y a la coupe de souffrance. Il faut que tu sois conscient. Tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur. Tu es enrôlé. Il ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie-là. Là, il y a plus au calé. On ne peut pas en l'armée parce que si on dit, ouais, quand on a Haïti, quand on a Afrique, on dit pas caille. Non. Parce que tu es appelé à aller à l'extrémité de la terre. Là où le Seigneur, là où le chef de l'armée décide de t'envoyer. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a une préparation. Il faut préparer à ces conditions-là.
C'est pourquoi en amont, on a fait ce militaire, on a fait des séances, on a préparé la guerre pendant qu'il parle de la guerre. Après la guerre finie, on a préparé. On ne peut pas connaître l'arme. À un moment, là, ça est trop tard. Il est trop tard. C'est pendant la guerre finie, on a préparé la guerre. Non, c'est pour cela en amont, rien n'est pas inutile. Afin que nous n'ayons force pour pouvoir traverser les difficultés. Si tu n'as pas ça, si tu ou pas venir ni haine, ou pas venir en djihadiste. Si tu n'es pas rempli de l'amour du Seigneur. Parce que pourquoi? L'amour du Seigneur, Jésus a tant aimé le monde, il pas resté en là. Il s'est dépouillé et c'est pourquoi la circoncision consiste au dépouillement de la chair. Nous l'avons vu dimanche. Et Jésus, s'il n'avait pas cet amour-là, il ne partait pas descendre. Jamais. Donc, là, nous sommes remplis de l'amour à bon Dieu. Pas ni en côté, on ne peut pas descendre. À ce moment-là, Dieu va t'envoyer. Dieu va t'envoyer vers les prostituées, veut t'envoyer dans ces situations-là pour leur parler du pain quotidien, le pain venu du ciel. Ce n'est pas la théologie des hommes, mais ce pain du ciel qui va venir du ciel pour pouvoir distribuer aux affamés, à ceux qui ont faim et soif. Et le plus souvent, dans le corps, nous pas soif et faim. Parce que au moins si bité, au moins si problème, oh, nous jacquons mort. Nous jacquons mort. Au moins si difficulté, on pleure. Parce que nous en met confort. Nous ne voulons pas rien déranger nous. Rien. Non, un seul côté. Ou pas déranger son cimetière. Les eaux bien rangées. Qu'est-ce qu'il dit? Là-dessus, il dit, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux de la demeure, n'est pas parmi les hommes. Est-ce que vous comprenez comment? Pour ce monde-là, comment nous venons avec cette religiosité? Aucun n'y fait ça. Aucun n'y fait ça. Mais vous faites Jéhovah. Vous faites Jéhovah chrétien. Léger, fragile. On vit à la légère. Mais vous faites Jéhovah. Qu'est-ce qu'il dit? Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone, y compris Daniel. Y compris. Il dit où la sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin que n'en fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ils ont engagé à prier, à chercher la face du Seigneur, à chercher, mais nous pas ni tant fait ça. Et quand vous comprenez ce qui fait blip, nous comprenons comme ni Simon et Simone le magicien dans l'église, il est venu, il est fait.
Mais Simon et Simone la Maïsienne, pas ni réponse là. C'est l'Éternel qui ni réponse là. Et qu'ils ont engagé et cherché. Parce que tu es appelé à servir dans l'Église. Dans le corps de Christ. Parmi pour même qui est inutile. Parmi pour même qui est inutile. Tu es utile dans le corps de Christ. Toi qui t'es engagé avec le Seigneur, tu es utile dans le corps de Christ et nous appelle à nous engager. Parmi pour membres dans le corps de Christ qui est inutile, un seul moment où pas venu inutile, c'est là où couper ou sécher. Et c'est pourquoi tu ne peux pas rester chez toi. Quand Et c'est pourquoi quand un membre souffre, quand tu es attaché, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Si zote yon mwen, en bayon kout maoto la alè, en ke kriye, mais si koupe y a pao, yon peut bayon beaucoup de maoto, en ben senti en yé. Parce que la vie ne coule pas. Dans le corps de Christ, la vie coule. De la même, si membre hors de corps, ah ben sans pas couler par la vie, il mort. Donc tu ne peux pas rester seul, isolé, chez toi. Dieu place ses membres dans son corps comme il veut, à la place qu'il doit être. Il n'y a pas de compétition. Sinon, les compétitions, ou que vous prenez en tête, ou que vous prenez en pied, ou que vous mettez là, ou que vous mettez en bouche là. Et c'est pourquoi que parmi pour membres dans le corps du Seigneur qui est inutile. Tu es utile dans le corps de Christ. Parce que si tu n'es pas là, je suis handicapé. Mais pas comprendre ou attacher ou pas faire magie. Parce que si ni gangrène, yon ka soigné, yon ka bait traitement, yon ka bait traitement, yon ka bait traitement, sous vrai, yon ka pa faire un yon, yon obligé couper jambe là pour l'autre la pas prendre. Le Seigneur, il donne des médicaments, sa parole, dans le corps pour traiter les maladies. Maintenant, c'est à nous de prendre, de faire attention avec quand nous café et médicaments là. Et c'est vous, vous aussi, faire attention à qui médicaments vous prend. Parce que nous avons pioché ici et là. Quelle nourriture que tu manges? Est-ce que tu manges vrai pain venu du ciel? Le vrai beuvage qui va te permettre d'aller et quel que soit là où Dieu t'aura placé, tu as à apprendre. Le Seigneur t'enseigne à ce moment-là. Ne fuis pas. Reste là. Ta communion avec le Seigneur te permettra de rester là. Autrement, tu n'as pas de communion avec le Seigneur, tu fuiras. Ici et là, ici et là. Tu vas errer et le diable va te prendre. Ne croyons pas qu'il n'y aura pas de difficulté. Ne croyons pas qu'il n'y aura pas de différence. Mais Dieu donne la clé. Pardonnez-vous réciproquement si l'un a sujet à se plaindre de l'autre. Supportez-vous. Que celui qui est fort supporte le faible. Celui qui est fort ne méprise pas le faible. Parce que si tu le rejettes dans sa faiblesse, tu rejettes aussi sa force. Tu rejettes aussi sa force. Tu rejettes sa force. Ou jeter faiblesse aïe. Ou pas jeter force aïe. Mais où est la faiblesse aïe? Ou que participer force et que servir. Sa force va te servir. Et le plus souvent, l'ennemi attaque
Il mange et il détruit et il divise. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes remplis de l'amour du Seigneur, préparés par Dieu, qui pouvoir supporter l'injustice et rester dans le silence. Ésaïe 53, vous le connaissez, je ne vais pas venir là-dessus. Il disait rien. Mais il y a une chose, tenez en postérité derrière, mouillez-vous. On va prendre Ésaïe 53. Ne croyons pas qu'il va nous faire du cadeau. Pas comprendre ça du tout, du tout, du tout. Pas comprendre ça. Ne croyons pas à ça du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bois de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié. Tu peux passer des moments difficiles et vous dire, ouais, on est habité parce qu'on punit de Dieu. Ou ben non. Sache dans ta communion avec le Seigneur. Si c'est un péché, repentir, c'est revenu. Mais si ce n'est pas ça, t'inquiète pas. Ça, c'est le lot de ceux et celles qui veulent suivre pieusement leur Seigneur. Ils seront haïs. Il dit, mais si ils m'ont haï, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Ils vont me persécuter aussi. Qu'est-ce qu'il dit après? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous croyez, c'était terrible. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoi qu'il n'eût point commis la violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et nous maintenant, c'est livrer nos vies en sacrifice au Seigneur. Un corps agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En livrant notre vie, pour que le Seigneur, avec cette vie minable, mais fait quelque chose de grand. Alors ne regarde pas à toi. Ne regarde pas à toi, je ne peux pas, j'ai pas fait l'école, j'ai pas fait l'étude, en parfait, pas regarder à ça. Mais regarde à la grandeur, comme nous avons chanté, à la magnificence du Seigneur. Et quiconque, je dis quiconque, se livre au Seigneur, le Seigneur l'utilise. Si utilisé en âne, son livre, on peut utiliser grandement, grandement. C'est ça, en livrant notre vie. En disant, Seigneur, me voici. Afin que ton nom à toi seul soit béni. Il soit glorifié et exalté. Mais je sais, cela va coûter un prix. Je sais, papa. Parce que pourquoi? Le Seigneur a mis en toi
une promesse, afin que tu puisses enfanter comme Marie. Il a mis en toi quelque chose, afin qu'à travers ce que Dieu a mis, ne regarde pas à toi, ne regarde pas à toi, non, pas garder moi en un micro, ça c'est un yé. Ça c'est pas le summum, ça c'est débit, rien. C'est maintenant ce que Dieu a mis en toi. Et dans la communion avec le Seigneur, te livrer en renonçant à toi-même. Parce que les choses sont montées, qui sont remontées pour prendre revanche, pour prendre vengeance. Amertume qui est montée. Et souvenez-vous, et je me souviens de ça que le pasteur disait, tu ne peux pas prier pour quelqu'un où il y a amertume en dedans. Un point de banc. Et je vous dis, en ce moment, j'écoutais un message. Je pensais à quelqu'un. L'amertume montée en disant, moi, vomi. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si on est amertume en vie. Et diable a fait en sorte pour pas un intercesseur. Parce qu'il est fini. Et pas comprendre ça, pas rien qui fait. On l'église, là, ça qui fait. Comprendre ces dérots. Et que tu. Ouais, ça qui fait mal. Et la porte à amertume l'a ouvert, qui a frappé. Comment tu vas sauver les gens après? Prenons conscience de ça. On va te dire du mal dans l'église. Pas dire, oh, en église, ça va passer. En cas de fuite. Non, dans l'église. En dit dans là. En casa, en l'église là. Ne sois pas étonné. Et quand Dieu mettait ennemi là, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, c'est une des situations auxquelles Dieu ne veut pas qu'on en paix et l'ennemi là. Parce que s'il vient faire paix et vers vous, il bénit. Délèbre, on sait qu'en péché, c'est puis il juge l'esprit là. C'est puis il mène à juger l'esprit là. À part Mounao, fais-nous faire différence là entre nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Dieu ne veut pas la perte des gens. Il ne veut pas ça. Il veut que tous repentent et soient sauvés. Il faut faire la différence entre la personne et l'esprit là qui a dominé là. Et quand tu fais la différence, tu pourras supporter. Mais si vous faites ce que vous avez en sel, l'esprit là qui arrive pour tuer mon œil content, au tomber, piège aïe. Donc, même si c'est un frère et soeur qui fait ça dans l'église, fais différence là entre esprit là et mouna. Sois miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et l'exemple qu'il y a fait ça pour servir dans l'église là et vers pour faire ça, pour vous piéger. Mais l'amour du Seigneur te permettra de faire la différence. En renonçant du Seigneur, oui, je renonce, oui. À qu'à constater, fais pas vrai détail, mais papa, comment de patron. C'est normal. Et c'est là que Dieu te travaille. Pour maintenant t'établir. Afin que sa gloire puisse paraître face au diable. Au nom de Jésus, fait prier. Mais si pas ni ça, ou piégé, ou qu'on crée plus de difficultés parce qu'on vient religieusement pour régler un problème. Et on court ennemi à eux. Ou sans voler, ou quand il dit le père du voler, quand il a fait, il a court et qu'il dit respecter papa parce que c'est papa. Mais si on a d'autres papa qui, on savait papa, c'est Jésus. Jésus plus fort qui, lorsqu'il parlait, il a arrêté. Et c'est pourquoi en amont,
Dieu veut travailler nos cœurs, il veut travailler nos vies. Parce que nous n'avons qu'un méchant et raide. Nous qu'un parler en long et bouche en nous. Mais qu'un nous resserrer très petit. Et il veut faire une opération puis l'agique là. Et ainsi, tu pourras supporter. L'amour pardonne. L'amour supporte. Il savait, il a vu ça, bon Dieu qu'a vu. Il verra ce Dieu voir. Et ça, c'est quelque chose, humainement parlant, pas essayer de faire ou peut pas. Abandonnons-nous au Seigneur. Laissons, quand tu as dit au Seigneur oui, laissez travailler. Puis comportement à ce cœur Dieu-là. Puis briser. Autre, c'est ça, mes frères et sœurs, vaillants et vaillantes guerriers du Seigneur. C'est ça. Ne croyons pas que nous allons venir à l'église et les choses qui coulent douces. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Oui, c'est frère va. Et toi, tu as passé une bonne journée. Blablabla. Que Dieu te bénisse. Non, ça n'a pas rien. Vaillant guerrier et vaillant guerrier. Positionner. Là, bon Dieu, placé, arrêté. Tout un bon Dieu. En communion là. Tout un bon Dieu partout. Déplacé, resté là. Tout le temps, le chef de l'armée, mais si on panne ça, ou que balloté à gauche et à droite. Ou que m'a dit, mais comment faire? T'as là qui fait ça, ou que fait suivre lui? T'as qui parti? Que tu m'as reçu Apollos? Moi, je suis de celui-là. Ou que, oh, calé, non. Non! Tu sauras à ce moment-là. Tu sauras, et c'est là qu'on vit en vie. Après tout, qu'on panne les difficultés. Mais dans la difficulté, tu es dans la joie. Et tu es dans la paix. Parce que tu connais qui est Jésus. Et dans ces moments-là, mon frère, ma soeur, c'est là où tu connais qui est Jésus. C'est là où tu couches. Il mettait là. Où tu connais qui est Jésus. Là où il y a la vie. Parce que la vie éternelle, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, papa. Et connaître, connu, intimement. Ce n'est pas plutôt qu'à répéter. À part Jaco, ou expliquer, ou vivre. Amen. Mais comme nous avons photo, nous ne voulons pas la personne même. Mais nous ne pouvons pas photo, elle nous regarde, mais pas photo là, il n'est pas vivant. Mais photo là, pas vivant. C'est pourquoi nous mettons en leur photo. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais il est vivant. Il était mort, mais il est vivant. Mais comment on peut démontrer qu'il est vivant? Après, c'est à travers au moment crise-là. Ça, souvent, pas tenir crise-là. Comment il a découvert le Dieu de Daniel? S'il n'y a pas de crise, mon frère, ma soeur, comment vous avez découvert Dieu à vous? Comment ça? Amen. Faites découvrir Dieu à Pasteur Emmanuel. Faites découvrir Dieu à vous, ma soeur. Faites découvrir Dieu à vous, personnellement. Puis on dit, mon Dieu. Puis on dit, mais non, mais, mon Dieu. Et c'est ça. Et c'est pourquoi il dit Daniel. Il dit Daniel, votre Dieu. Et là, Daniel, l'heure passe vite. Mais là, Daniel, après, il présentait, je paraphrase un petit peu, vous allez lire chez vous après. Mais là, Daniel présentait chaque et Abel Négro. Alléluia. Voilà, t'es ni le Dieu de Daniel, mais pour toi, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abel Négro. Fais Christ là, t'es là. Et là, Christ là, fini. Il dit maintenant, moi, Shadrach, Meshach et Abel Négro, avait dit à sorte, il grand. Donc, pour nous dire un grand individuellement, faut passer par là. À part la religiosité, faut passer par là. La religion que tu fais pas, ne fais pas, n'espère pas ça. Non. Faut rencontrer individuellement ton Dieu. Ton Dieu,
mon Dieu. Les rencontrer Dieu à ta là, moi aussi, fais-moi mon Dieu. Et c'est ça, les dit, mettez-yo à tête là là. Il dit, mettez Chadraka et Abednego. Mettez-yo, dirigeant, mettez-y là. Mais faites-y tester, c'est qu'il y a Kazazot. Mais faites-y tester. Et là, voilà, il a arraché. Il met 7 fois. Mais pas te connaître. Et dit, on va sachez, un peu que prosternez-moi tout fort. Et à ce moment-là, Kaiti, pour finir, il dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est pourquoi il avait dit à Daniel, qu'est-ce qu'il avait dit à Daniel? Je l'ai lu 2,42, c'est ça? Je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il a dit pour le Dieu de Daniel? Il dit, en vérité pour Daniel, 2,47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois, il relève le secret, puisque tu as découvert le secret. Verset 49, il dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était dans la cour du roi. Maintenant, fais-en, parce qu'il fréquentait Daniel, que c'était le Dieu de Daniel. Maintenant, parce qu'on a fréquenté, ou qu'on a fréquenté un homme de Dieu, qu'on faut vous faire expérimentation là aussi. Pas comprendre, vous avez coulé en l'air, il a imposé les mains, vous êtes parti, blou. Non, il faut passer, faire tester également. Faut tester également parce que ça il y là c'est qu'il était souffert il prend pas comprendre que fini qu'il pose les mains aller non faut que expérimenter ton Dieu aussi et ainsi il dit mi bayoy qu'est-ce qu'il fait je vais sauter vous allez lire l'histoire chez vous vous allez voir verset 16 je 3.16. Je dis, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu. Amen. Voici notre Dieu. Faut qu'on m'a dit mon Dieu aussi. Individuellement. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrer de ta main. Oh roi, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous t'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant son regard contre Shadrach et Meshach. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Et cette situation peut finir 7 fois plus mauvaise. Mais il y a quelque chose qui arrive derrière. Persévère, tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tu verras la gloire de Dieu à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, je lis la fin. Quand Nebuchadnezzar dit, 3:28. Là maintenant, il dit, béni soit le Dieu de qui? Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Alors ce que tu vis, ma soeur, Dieu veut aussi te dire, béni soit le Dieu de Fabrice. Béni soit ton Dieu. Il veut faire ça de toi. Et c'est ça, maintenant tu as le choix. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas continuer ou tu vas abandonner? Tu vas revenir ou tu as le choix? Dieu ne pas un gourou, il pas forcé pour monde. Pour que son nom à lui soit élevé, pour que son nom à lui soit magnifié, il faut qu'il y ait des crises dans ta vie. Péni pète d'emploi, péni pète de ceci, pète de cela, mais persévère, tenir bon, et tu verras la gloire de Dieu. Persévère, ne fais pas de compromis et tu verras la gloire de Dieu parce qu'il va te tester. Quoi, jeune fille? Qu'est-ce
ça que dit oui, mais si on pas goûté avant, on pas maillé vers. Ou quoi dit comme ça, mon Dieu est mon roi. Lâchez-moi. Parce que tu connais qui est toi, jeune garçon, également. Ne te fie pas à ton apparence extérieure. Pas fier à ça. Et vous, jeune fille, pas piéger à apparence extérieure. Parce que c'est après ou qu'on va être diable casao. Donc, quelles que soient les difficultés, tenez bon. Il faut qu'individuellement, chaque personne ici, là, puisse dire le Dieu, mettez prénom, faites dire ça. Et pour ça arriver, mon ami, sache ça, armez des pensées là, ça, crise que là. Mais si tu n'es pas prêt, et c'est pourquoi Dieu dit de nous préparer en été, afin que lorsque l'hiver va venir, là, il t'a dit le Dieu que je sers, il testé. Le Dieu que je sers, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu dis que tu sers va être testé. Le Dieu que tu dis que tu sers va être testé. Et c'est là nous qui voyons qui Dieu ou qu'a servi ou pas. L'avenir nous le dira. Alors, frères et sœurs, guerrières et guerriers du Seigneur, sachez cela. Le jour où dans la communion avec le Seigneur, les choses qui sont venues, il faut que le Dieu, ton Dieu, soit révélé. Et pour que ton Dieu soit révélé, fais une crise. Alors, pas paix, sois encouragé et sois fortifié. Levons-nous, on va prier ensemble. Seigneur de gloire, nous t'élevons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Et Papa Doudou, nous savons que les choses ne seront pas faciles. Jamais. Rien, Seigneur, n'est acquis, Seigneur. Il n'y a pas de succès sans combat. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Parce que tu as eu du succès parce que tu t'es sacrifié. Et ainsi, Père, nous devons aussi suivre tes traces. À ce que notre vie à nous soit un sacrifice vivant sur ton autel. Afin de glorifier ton nom et exalter ton saint nom. Afin qu'individuellement, Papa, on reconnaisse que le Dieu de X, de Y, dans chaque vie, dans lequel nous serons testés. Alors c'est pour cela ce soir. Ce matin, nous invoquons ton nom, Père éternel, sur notre vie, sur notre être esprit, sur notre âme et sur notre corps, pour que notre foi ne puisse pas défaillir à ce moment-là. Mais bien au contraire, Papa Dodo, pour que nous puissions nous souvenir, Seigneur, nous souvenir jamais tu vas nous abandonner. Et pour que nous puissions voir ta gloire, nous devons boire la coupe de la souffrance. Nous devons communier dans ta souffrance pour participer, Seigneur, à ta gloire. Nous devons communier dans ta mort pour participer à la puissance de la résurrection. Ici, Papa Dodo, nous verrons au milieu de nous des signes et des prodiges. Afin, ô Dieu, dans toutes les situations, on saura mon Dieu, mon roi et mon maître. On pourra dire à ce moment-là, mon Dieu, mon roi, mon maître. Je te prie pour chacun, pour mes frères et sœurs qui passent des moments extrêmement difficiles, qui ont été abandonnés, méprisés, Seigneur, frappés, Papa Toto. Mais tu as permis que nous soyons toujours en vie, parce que tu es la vie. Parce que c'est toi qui as la clé de David. Toi qui as la clé de David, qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Tu fermes les portes que personne ne peut ouvrir. Tu as la clé de la vie et de la mort. Alors c'est pour cela, ce matin, notre vie est sur ton autel. Afin que tu fasses ce que toi tu veux avec Seigneur. Pour que nous puissions, Seigneur,
abandonné esprit, l'âme et le corps, afin, ô Dieu, qu'à travers ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma sœur, ton nom à toi, on reconnaisse le Dieu qu'on sert, Seigneur. Le Dieu qu'on sert. Bien souvent, Seigneur, tu t'es révélé à tes serviteurs comme le Dieu de tes pères. Mais tu as dit à ton serviteur, je te révèle comme le nom de l'Éternel. Tu veux que chacun de nous puisse expérimenter le nom de l'Éternel. Tu veux que chacun de nous, ce matin, je te prie de fortifier tes enfants qui sont dans la tourmente, qui se posent des questions. Père, je te prie ce matin, afin que ta grâce, Papa de Dieu, pose sur leur vie, afin qu'ils aillent de l'avant et persévèrent, Seigneur. Afin là, Papa de Dieu, ils flanchaient, là, ils s'affaiblissaient. Tu puisses les relever pour aller plus loin avec toi. Parce que tu es l'Éternel des armées. Je te bénis ce matin. J'élève ton Saint-Nom ce matin, Seigneur. J'élève ton Saint-Nom parce que tu es le roi des rois et tu es le Seigneur des seigneurs. Pour ma part, Papa de Dieu, je prie, Seigneur, après avoir prêcher, Seigneur, pour que je ne puisse pas me trouver disqualifié. Je crie à toi, Seigneur, pour que Papa Doudou, au milieu de tes enfants, tu sois un modèle du troupeau. Père, je bénis ton nom pour le ministère, pour ces hommes et ces femmes, Papa Doudou, que j'ai rencontrés. Tu as permis que je sois en contact avec eux pour me, Papa Doudou, me donner, Papa Doudou, l'encouragement en voyant leur vie comme un modèle, Seigneur, afin de te chercher et aussi expérimenter. Mon Dieu, je te bénis et je loue ton Saint-Nom. Pour ceux qui sont déjà établis, Seigneur, mais qui ont été affectés, je te prie, tu es celui qui relève, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui dérive, tu es celui qui guérit également, qui fortifie et encourage, Seigneur. Fortifie-les, Papa de Dieu, dans leur parcours, dans ce parcours où ils peuvent te trouver seul. Ils peuvent te trouver seul dans ce parcours, dans la croix de Gethsemane, mais à travers cela, Seigneur, à travers cela, ils vont enfanter des visions prophétiques. Ils vont enfanter, Seigneur, l'onction apostolique et l'onction prophétique pour glorifier ton nom et exalter ton nom à travers les naissances qui vont être faites, Seigneur, afin que non des prosélytes, mais des disciples pour glorifier ton nom. Des disciples qui seront, Papa Doudou, préparés par toi et envoyés pour élargir la tente, pour grandir, pour l'accroissement de ton royaume. Mais par-dessus tout, Seigneur, l'amour qui est le lien de la perfection devra tirer l'accroissement dans ton corps. Je te prie ce matin, afin, Dieu Tout-Puissant, que tout poison qui s'est immiscé dans ce corps pour nous ralentir, pour l'atrophier, reçoit, Papa de tout, le feu de l'Éternel et soit frappé par Yahvé Naka, afin que la parole du Seigneur puisse couler dans les cœurs, couler dans les rampères, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.